Depuis leur rencontre, le prince Guillaume de Luxembourg, 42 ans, et sa chère et tendre, née comtesse Stéphanie de Lannoy, 40 ans, filent le parfait amour. Après un somptueux mariage en 2012, le couple a accueilli deux enfants, le prince Charles, né le 10 mai 2020, et le prince François, né le 27 mars 2023. Pour les heureux parents, ce samedi 20 avril était l'occasion de faire un beau cadeau à leurs admirateurs. Pour la toute première fois, le compte X, anciennement Twitter, de la cour grand-ducale de Luxembourg a publié des photos des deux petits princes dans le cadre d'une visite officielle à l'étranger. L'occasion de constater que les deux bambins ont bien grandi. Pour le prince Charles et le prince François, c'était leur premier voyage à la découverte de la Cité des Loges. À cette occasion, les deux enfants ont pu admirer de superbes pièces d'art contemporain. Cette 60e biennale, que la petite famille a pu visiter en primeur, a pour thème étranger partout, et se tiendra jusqu'au 24 novembre 2024. Le grand-duc héritier Guillaume, féru d'art et de culture, et la grande-duchesse héritière Stéphanie, qui assure le haut patronage de l'association Les Amis des Musées Luxembourg, ont particulièrement apprécié cet événement. Et à en croire les photos publiées par la maison du grand-duc, leurs enfants étaient tout aussi ravis. Supérieur à Henri, Maria Teresa, Guillaume de Luxembourg. Qui sont les membres du grand-duché du Luxembourg. Guillaume et Stéphanie de Luxembourg, un couple royal très apprécié, le grand-duc héritier et la grande-duchesse héritière de Luxembourg jouissent d'une grande popularité, bien qu'ils préfèrent en général se montrer discrets, souhaitant offrir une enfance aussi normale que possible à leurs enfants, comme l'avait confié le prince Guillaume aux médias luxembourgeois. Cependant, leurs initiatives charitables ne passent pas inaperçues, et contribuent à asseoir leur popularité. De leur visite des maisons de retraite à leur liste de mariages pour le moins insolite, le couple de jeunes parents, toujours aussi unis, séduit par sa simplicité et son grand cœur. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Royal Portrait Europe Bernard Rupsamen.